Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour du Creeper World 4 et je m'étais dit à l'origine, on va se faire une petite map tranquille, chill, où on va jouer le creep. Et regardez-moi cet enfer, il y en a partout. J'ai rarement vu une base aussi défendue que ça. Donc je sais pas comment on va faire, mais il va bien falloir y arriver, quoi. Donc apparemment, on va commencer ici, hein, ça va être notre point de spawn, et bah va falloir aller buter les humains qui sont par là-haut. Alors il y a deux trucs que je vois qui m'intéressent, c'est cette petite poche-là qui va nous générer du creep gratuitement. Et une autre ici, par là aussi. Par contre, il y a ces deux points-là, là, avec les petits points jaunes qui génèrent de l'anti-creep. Donc j'imagine qu'il va y avoir beaucoup d'anti-creep sur la map. Donc ça va être une guerre dans la longueur. Bon, bah c'est parti. Nous, on va peut-être commencer par mettre un petit boost. Voilà. Et c'est parti. On va se mettre en x2, hein, surtout au début. Donc notre gars, il génère 30 de creep toutes les 40 secondes, ce qui est pas beaucoup. Et on va essayer de libérer lui. Parce que j'ai vu ça récemment, c'est qu'on pouvait faire popper des œufs sur certaines maps, pas loin de nos unités, même si elles sont anesthésiées. Donc on va commencer par ça. Hop là. En espérant que ça la libère. Ça la libère, parfait. Alors toi, il faut que tu génères, mon pote. Hein. On va te donner un petit coup de boost. Tu vas voir, 50 toutes les 40 secondes. Oh, lui, il est déjà plus fort de base. Hein. Sachant qu'ils ont un boost tous les deux. Donc on va en mettre un deuxième, 70... Alors, on a des rochers. Les rochers, ils tombent aléatoirement dans une zone, vous voyez, dans la zone là. Donc là, c'est tombé à côté, ça tombe bien. Hop là, voilà. Ouh, il y a un laser, j'avais pas vu. Ouh, lui, il va nous embêter vraiment, vraiment, vraiment. Hop là. Allez, booste-toi. On a encore des œufs. Je booste lui, hein, parce que c'est notre meilleure piste pour l'instant. Et lui, surtout, s'ils arrivent, vous voyez, ils reconstruisent ici, s'ils arrivent à détruire la zone... Ils vont remettre un anesthésion alors que. Enfin un nullifier quoi, mais alors que ici ils le feront sûrement pas, je pense. Hop là. On a 10 œufs. Est-ce qu'il serait pas le temps de détruire cette piste aérienne là? Voilà, parce que ça normalement c'est le seul bâtiment que l'IA arrive pas à reconstruire. Et ben voilà, ça c'est réglé. Alors où est-ce qu'on aurait une petite un petit générateur de creep? On en a un ici. Mais bon, il est pris sous un bouclier, donc je vais pas pouvoir lancer un œuf. Vous voyez, enfin si, mais il va être complètement détruit. Il y en a un là. Hop là, juste histoire de les embêter un petit peu. Est-ce qu'on peut le booster à fond? C'est juste pour l'empêcher absolument de reconstruire. Ça va consommer énormément de leur énergie ici, en fait. Combien tu fais? 110. Oh, oh là là. Ouh, toi, t'es un bon, toi. Et surtout que maintenant, on va pouvoir attaquer pas trop trop loin. Genre là. Je vais essayer de vous attaquer dans tous les sens, les cocos. Histoire de vraiment vous embêter. Ah non, mais il est là, le nullifier. Non, alors lui, on n'arrivera jamais à le prendre, quoi. J'en ai rien à foutre. Combien tu fais? 170. Bon voilà, le truc c'est que vous voyez, paf, maintenant ils sont embêtés en permanence ici. Pendant ce temps-là, nos petits gars ici, ils se débrouillent pas trop mal. Et ils ont libéré le Airsack Cauldron. Alors ça c'est vraiment l'unité du creep qui est nulle. Ça va faire des espèces de gros tas de morves bleus qui flottent et qui ont des petites bombes à creeper en dessous. Donc bon, pour l'instant je vous avouerai que c'est pas vraiment... Bon par contre il en fait 10 quand même, hein. 10 c'est pas neutre. Hein. Mais vous allez voir, ils vont se faire intercepter, j'en suis convaincu, quoi. Vas-y, détruis-les, détruis-les, détruis-les. On va essayer de prendre la zone, là. Est-ce que je peux aller... Ah non, mais j'en ai plus, c'est pour ça. Allez, pousse le creep, il faut que t'avances. Me dis pas que là, il a réussi, hein. Sinon j'étais dégoûté. Ok, là-bas, ça se passe pas très très bien de ce côté, mais bon... On le savait. Ah non, il faut que ça se passe bien d'ici par contre. Combien t'es? 230. Ah, ça devrait aller là. Parce que pour l'instant, on se fait défoncer. Regardez, nous on a 18 000 creeps. Et eux, ils ont 67 000 creeps. Donc pour le coup, on n'est pas bien quoi. Alors là, non. Je veux pas que tu reconstruises ton truc là. C'est hors de question, mon pote. Un boost, vite. Des rochers. Est-ce qu'on pourrait avoir de la chance, d'après vous, ou pas? Là, c'est tellement dense. On va enlever l'anti-creep, histoire de voir un peu mieux. Ah ouais, non mais jamais je passe.
Non, ok, je suis en train de perdre mon temps, mais clairement, quoi. Par contre, si je peux faire ça... Voilà, le but, c'est juste de déglinguer votre piste. Non, ça n'a pas marché. Ok. Est-ce qu'ici, on pourrait pas faire un petit avant-poste qui les embête vraiment? Genre, est-ce que ça pourrait pas se propager un peu? Par contre, vous voyez, il y a le laser. Quand il va arriver là, il va couper notre tour en direct. Tu te fous de moi? Ok, il faut qu'on booste un peu plus. Non mais il tire encore ce truc. C'est une mauvaise blague. Voilà. Faut qu'on l'aide ici le creep parce qu'il arrive pas à s'en sortir. Faudrait que j'aille choper cette poche là, là comme je vous le disais au début, mais franchement, il y en a tellement et c'est tellement loin. Après, je suis très content de les embêter ici, quoi. Là, par contre, je suis déçu de notre attaque. Elle n'a pas fonctionné. Là, ça avance un peu. 310, oui. On va voir un petit coup. Bon, c'est pas de la folie non plus. Ça, faut vraiment que je le déglingue. Allez, parce qu'en fait, dès qu'on va générer du creep ici, ça va être vraiment la folie. Cassez-vous. Laissez-moi arriver ici. En fait, c'est eux qui m'embêtent. Et là, normalement, vous, vous pouvez pas vous tirer dessus quasiment. Ça vous embête un peu, non? On booste un petit rocher. Voilà, on en met un autre derrière. Ah, on a libéré quelque chose d'autre là. Voilà. Quoi? Moi lui. Voilà, je vais t'apprendre à t'installer dans la petite cuvette. Allez, on détruit cette tour. Ce mortier m'embête vraiment. Il va plus trop nous embêter. Voilà. Et là, normalement, on va pouvoir... Je vais mettre le creep ici. On va commencer à en générer. Et ça, ça va nous faire carrément du bien. S'il vous plaît, faites un effort. Il faudrait peut-être qu'on te booste un peu, toi, parce que t'es vraiment en mode lose. Voilà, c'est bon. Là, on a pris cette poche. Normalement, il devrait jamais pouvoir la reprendre. Ok. Là, on va juste essayer d'embêter un peu tout le monde. Oh, regardez! C'est ça, les airsack cauldron. Il y en a 10, mais par contre, voilà, il y a des snipers de partout. Donc, ils vont rien pouvoir faire, nos gars. Hop. On va essayer d'anesthésier un petit peu leur troupe. Oh là, le bruit! Ouais, il me faut plus de creep. Et là, ils arrivent clairement à nous repousser très facilement. Et là, on a des blobs qui viennent de se générer, donc ça, c'est très bien. Tiens, on va le booster un coup. Et on va empêcher... Voilà. Ouh, ils sont apparus. Vous avez vu ces espèces de petites... petites merdes. Désolé de dire ça, mais c'est clairement le cas. Qui, elles, détruisent tout sur leur passage, quoi. Enfin, tout. Allez, faut pousser un peu par là, les enfants. Du coup... Où est-ce qu'il y aurait autre chose à nous? Alors ça, ça coupe. C'est qu'ils doivent pas avoir assez... Pourquoi ils l'activent et les activent si ils ont assez d'énergie? Parce qu'en fait, ça, là, ce bâtiment ici, c'est... là, pardon... C'est leur, leur stock de munitions. Ouh, l'anti-creep est en train de prendre un peu cher. Alors, 6 œufs, c'est pas mal.
Là, on va peut-être l'aider un peu, lui. Et on va mettre des œufs aussi. Éventuellement. Est-ce que j'ai réussi à démonter? Oui, on l'a eu. Donc là, il y a des blobs qui vont sortir. Ils peuvent faire un carnage. Ah oui, sauf s'il y a des snipers, par contre. J'avais pas vu. Voilà, booste un peu ça, histoire qu'on puisse avancer et progresser. Et là, ça va un peu mieux. Vous allez voir, dès qu'on aura pris ça, en réalité, ça ira tellement mieux. Ils ont pas reconstruit le... Oh bah c'est dommage ça, si vous reconstruisez pas le truc qui m'empêche de générer des... On va le... Oh non, ils l'ont reconstruit, j'ai rien dit. Ils ont été beaucoup plus malins. Il est là-dessous ou pas? Non, il est détruit. C'était pas ce que je voulais faire. Allez, envoie plus, toujours plus de... Ils sont en train de reconstruire. Les salauds. Ah les salauds, ils vont m'avoir. Ils l'ont eu. Ils ont réussi à reconstruire. Ok, boostons plus ça. Bon, de ce côté, on avance, on progresse. De toute façon, là, il y en a masse qui sont occupés par l'artillerie qui est ici. Enfin, par le générateur de creep. Tu veux me fournir un peu plus, toi? Ouais. Allez, détruisez-moi ce truc. Oui, très bien. Boum, 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 boum. Je voulais reconstruire. C'est hors de question, mon coco. Non, il a réussi à reconstruire un endroit où j'arrive pas à mettre des trucs. Voilà, non. Faut vraiment que je l'empêche de reconstruire ici. Un peu le reste parce que on est en train de pas avancer là. Bon voilà, pour l'instant lui je l'occupe, il essaye de reconstruire, ça lui prend un peu de temps. À chaque fois, tant qu'il a pas fini de reconstruire, il suffit que je le touche à peine pour que le bâtiment décède. Donc là pour le coup c'est tout bénef pour nous. Ta stratégie n'est pas la bonne. Par contre, est-ce que tu veux vraiment pas te bouger un peu les fesses, toi? Allez, un petit ici, histoire d'annuler. On va occuper un peu le reste. C'est quoi là-dedans? Des skimmers! Ah ouais, j'envoie des skimmers, c'est bien ça. Voilà, ils ont anesthésié toute une partie du truc. Donc là, les blobs qui sont ici, ils vont pouvoir agir. Et ça, c'est top. Fais-nous en plein des skimmers. Hop là. La reine du creep va être contente. Pas non plus des masses, hein, faut être honnête. C'est pas l'opération du siècle. L'écran tremble tellement. Bon, mais par contre, ici, on peut peut-être commencer à les déglinguer en bas. Voilà. Empêche toujours de rip-hop. Très bien, là ça va tomber là.
Ouais, les gars. Fallait pas prendre notre planète. Ça tremble tellement que j'arrive pas à cliquer là où je veux. Et là, regardez, on est en train de les couper. Ça, c'est très bien. Oui, ils ont plus de jus. Ce front est à nous. Ah, mais il y a l'aviation qui nous embête. C'est pour ça que ça a progressé depuis le début. Voilà, maintenant qu'on n'a plus qu'un front, on va pouvoir se concentrer sur d'autres choses. Par exemple. Ah ouais, ok. Oh là là, le nombre de blobs qui sortent de ce truc, 15 à chaque seconde. On peut voir leurs munitions, est-ce qu'elles descendent ou pas? Non, il y en a tellement. Par contre, on a un point de munition ici. Oh, je t'avais pas vu, toi. On t'a libéré. T'étais sous le bouclier, c'est vrai. Allez, faut que ça déglingue ici. Là. Hop là. Alors on a un stash aussi, là, en gros, c'est ces trucs-là. Une fois qu'il va être rempli, d'un seul coup, il va nous faire une grosse vague. Et ça, ça va bien nous aider. Bon, on vient de choper leur zone où ils pouvaient faire de l'anti-creep et des missiles. Et techniquement, là, il n'y a rien, ça devrait commencer. Ah non, il y en a d'autres là. Ah, je n'avais pas vu. Bon, on va attendre tranquillement qu'on ait plein d'eux. Et de rochers, comme ça on va pouvoir faire une vraie attaque. Pendant ce temps-là, notre creep, il fait déjà le taf. Et alors, eux sont vraiment focalisés sur là, parce que ça produit pas mal de creep, normalement. Ah, ils sont en déficit. Vous dépensez plus que ce que vous gagnez, les gars. Est-ce qu'on pourrait pas les embêter vraiment un max? Lui, en vrai, il génère trop. Et voilà. Là, on va détruire la skim, enfin, le truc qui empêche les skimmers de popper. Et du coup, on a plein de skimmers. Voilà, regardez tous les blobs qui arrivent là. Boum, 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 boum. On est en train de faire des dégâts monstrueux. Par contre, le laser, quand il va s'activer, il va nous faire très très mal. Ah, je suis tellement fier de vous. Non, tu reconstruiras pas. Il y a tellement de trucs qui se battent. Oh! Salut! La piste là, si je peux l'avoir, je peux vous dire que c'est tout bénef pour nous. Voilà! Le reste, je m'en fous. Ça, c'est les hangars pour les avions. Mais sinon, pas de piste, ils vont pas pouvoir continuer. Donc, vous, c'est terminé, les copains. Ou alors, c'est vous. Je sais pas lequel des deux vont au fond. Mais ça devrait plus durer très longtemps. Quelques rochers, c'est juste en préventif comme ça. Voilà. Ah, mais il y en a une ici aussi. J'avais oublié, c'est celle qu'on a ratée tout à l'heure. Allez, détruisez-moi ça. Voilà, l'aviation, ça dégage. Donc vous êtes foutus. Je veux pas vous mettre les boules, mais. Attendez le bruit que ça fait tellement il y a des unités qui tirent en même permanence. J'ai jamais vu une forteresse aussi grosse que ça. Voilà, mes blobs avancent de partout. On va en faire plus de blobs. Toujours plus. Hop là.
Alors, je parie. Oui, c'est bon, ils l'ont libéré. Toi, on va te booster dès qu'on peut. Combien tu fais? 10? Ah, t'es vraiment nul. À 10, t'es pas le meilleur de la famille, hein, ça c'est clair. Allez, on bombarde ce qu'on peut. Est-ce que là, oui, ça passe. Vas-y, déjà, on va commencer par attaquer ici comme on peut. On a eu le laser. Ils l'ont pas activé quand il fallait. Regardez, ça c'est les skimmers là. Ils flottent sur le creep et ils vont s'éclater et ils désactivent tout ce qui passe au passage. Ouais. T'as combien de 310 par 20 secondes? T'es le meilleur, non? Ouais, t'es carrément le meilleur. Lui, il aura consommé un max de leur attention. Quoi. Je pense que c'était un bon choix de faire ça. Je veux détruire cette piste aérienne. Oui! Et voilà, bah là c'est foutu pour vous les gars, quoi. Surtout que là, il y a tellement de blobs en fait que... Bah, pff, tout ce qui avance, ça... Enfin, vous voyez, même ça, là, ils ont pas le temps de se faire tirer dessus parce que bah, les blobs occupent tout le monde, en fait, quoi. Ils occupent les snipers, bah, les snipers détruisent les blobs. Sauf que vu qu'il y en a tellement, bah, ils ont pas le temps de tout faire non plus, quoi. Oh, alors là, vos munitions, par contre, sont en train de chuter, les copains. C'est un peu la loose chez vous. J'ai rien dit, il y a une batterie de missiles. Waouh. Mais j'avais... Non mais franchement, j'ai jamais vu ça. Quoi. Le créateur de la carte, il s'est dit, tiens, je mets tout. Et ben moi aussi, je vais tout mettre dans les blobs. Ah ah, c'est bientôt la fin. C'est foutu. Je vais encore décoller de barrer. Et ben voilà. Bon, bah finalement, à part que c'était peut-être pas un plaisir pour les oreilles, c'était réellement un plaisir à jouer, quoi. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.